Ouais. Encore un recto verso. Salut les Tokuvar, bienvenue pour l'épisode 8 de Beast Morpher, le cyberportail s'ouvre. C'était encore trop bien. On commence donc cet épisode par un gag de Ben et Betty, mais qui aura son importance plus tard. Donc, en fait, Ben cherche sa sœur grâce à une puce de localisation, géolocalisation. Donc bon, il la trouve, petit gag avec la glace qui lui tombe dessus. Ressemble pas du tout à de la glace, hein, mais bon, peu importe. Donc voilà, on nous introduit cette invention, cette puce de géolocalisation. Eh bien ça, ce sera important plus tard. On passe dans le labo de Nate et... Bon, Nate est donc en train de créer de nouvelles armes, sauf qu'il a besoin d'ADN d'animaux pour les terminer. Donc, il va aller dans la forêt chercher de l'ADN d'insectes, sauf que, attention, continuité, il n'a toujours pas le droit de sortir sans escorte. Parce que rappelez-vous, dans un épisode précédent, il était sorti tout seul, ça avait mal tourné, donc la commandante lui a dit « Non, mon petit bonhomme, tu ne sors pas sans escorte. » Continuité, j'adore. Donc les Power Rangers proposent à Nate de l'accompagner, ce qu'ils font. Donc, Nate va récupérer de l'ADN de mantes religieuses et de cafards. De cafard, je suis d'accord. De menthe religieuse, vu ce qui arrive dans l'épisode. Hein? Donc Nate, bien évidemment, n'est toujours pas d'accord avec cette stupide règle. Il peut se débrouiller tout seul, en fait, mais voilà, ça l'agace un peu, ça l'énerve. Et bon, on verra comment ça va se développer. Pendant ce temps, Scrozzle construit effectivement le cyberportail qu'il avait promis de construire à la fin du dernier épisode, sauf que il a besoin non seulement de Morphix pour le faire marcher, mais aussi d'un corps pour Evox. Parce que c'est bien beau de télécharger Evox dans notre monde, mais il va pas rester dans un ordinateur, parce qu'il est déjà dans un ordinateur. Donc à quoi ça sert de le télécharger si c'est pour qu'il reste dans un ordinateur? Donc, il faut télécharger la conscience d'Evox dans un robot pour qu'il puisse bouger librement, quoi, voilà. Donc, étant donné que Scrozzle n'est pas assez intelligent pour construire un robot... Hein? Mais t'arrêtes pas d'en construire des robots et ta cyberporte? T'es pas assez intelligent pour construire un robot mais tu l'as assez pour construire tout ça? Hein? Enfin bref, donc, il lui faut un robot à la pointe de la technologie et bien évidemment, vers qui il va se tourner? Nate. Donc, il va commander Blaze et Roxy d'aller enlever Nate pour construire le robot. Scrozzle donc envoie un robot détourner l'attention des Rangers, hein, donc ça veut dire que les Rangers laissent Nate tout seul dans la forêt, et donc Blaze et Roxy en profitent pour aller l'enlever. Pour l'instant, les méchants gagnent. Donc combat avec le robot qui aspire du Morphix et les Rangers, jusqu'à ce que le robot en profite pour s'enfuir. Pendant ce temps, on voit Ben et Betty qui marchent dans la rue et qui font joujou avec la petite puce de géolocalisation, et... Comme par hasard, la puce de géolocalisation va tomber dans le camion où il y a le monstre et tout le Morphix qui était en train de voler. Encore une fois, le duo comique est utile à l'histoire. Y a pas à se plaindre. Donc une fois arrivé au laboratoire de Scrozzle, Nate va un petit peu jouer la comédie en faisant le pleurnichard. D'accord, ok, je vais faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. C'est de la comédie, et il va en profiter pour échafauder un plan pendant qu'il construit le robot. De retour à la base, donc évidemment Ben et Betty croient avoir fait une bêtise en ayant perdu la puce de géolocalisation, sauf que non, bien entendu, étant donné que la puce est dans le camion, forcément, les Rangers vont pouvoir retrouver et le camion, et le Morphix, et le robot, et Nate aussi, pour sauver la situation. Une fois arrivés à l'entrepôt, ils sont arrêtés par le robot, donc combat, enfin, on verra un petit peu plus tard comment la fin du combat va se passer. Donc, le robot est fini. Un petit peu rapide, Nate, mais ok, pourquoi pas. Et donc, il est mis en place pour accueillir la conscience d'Evox en lui. Mais en réalité, tout faisait partie du plan de Nate. Parce qu'il arrive à téléporter, parce qu'il a réparé son communicateur entre-temps, il arrive à téléporter un Striker Morpher. Apparemment, ça s'appelle comme ça. Et il arrive à détruire, enfin, pas détruire, à endommager le cyberportail. Ce qui fait que le téléchargement est annulé. Et là... Nate va prendre la place d'Evox, enfin, entre guillemets, hein, enfin, il va se mettre sous la douche de Morphix, et il va combiner son ADN avec l'ADN d'insecte qu'il a dans sa poche, et aussi avec le robot qui est derrière lui. Et qu'est-ce qui se passe? Power Ranger!
Oh oui, c'était téléphoné, hein. On l'a vu venir depuis très nombreux épisodes, mais bon, yes. Donc bien évidemment, ce n'est pas du tout au goût de Blaze et Roxy, ainsi que d'un ex-Power Ranger bleu. J'y reviendrai. Mais attention, surprise, coup de théâtre. Tout d'un coup, le robot se relève. Et que se passe-t-il? Il se transforme en Ranger argenté. Yeah! Bon, pas vraiment sûr du délai, pas vraiment sûr comment. Mais bon, il est là. Bon, allez, hein, c'est bon, il est là. On a le duo Gold-Silver, allez, c'est bon. Ouais. Par contre, petit détail, j'aime pas sa voix. Ouais, désolé, le robot, bon, je vais pas vous dire tout de suite comment il s'appelle, mais on le sait à la fin, hein, on connaît son nom à la fin. J'aime pas sa voix. Ouais, petit bémol, là, j'aime pas sa voix. Tant pis, bah, je ferai avec de toute façon, hein, mais ouais. Donc, bien évidemment, combat avec nos deux nouveaux Power Rangers, 100% américains dans l'entrepôt, donc ça va, c'est extrêmement correct, encore une fois, donc rien à redire là-dessus. Dehors, les trois Rangers ont pas mal de difficultés face au robot du jour, mais ils sont sauvés par leurs nouveaux alliés. Qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Nate les rassure tout de suite. C'est bon, c'est moi, Nate, je l'expliquerai plus tard. Voilà. Donc ensuite, on passe à du combat japonais. Bon, évidemment, hein, il en fallait un petit peu. Hein, ils éliminent le monstre de la même façon que Beat et Stackbuster, en lui tirant dessus, voilà, tout simplement. Pendant ce temps... Gigadrone est envoyé, donc il se sépare, hein, pendant que Nate et le robot s'occupent du monstre à taille humaine. Les trois autres vont aller s'occuper du monstre géant, enfin du Gigadrone géant, assez facilement, là aussi, un coup de slash de Megazord et c'est fini. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. De retour à la base, la commandante est ravie de la Je viens de me rendre compte. Parce que la commandante, c'est la mère de Ravi, donc la commandante qui est ravie... Enfin bref, donc... La commandante est ravie que la situation n'ait pas tourné au vinaigre, donc ils ont récupéré Nate, ils ont récupéré Morphix, on a deux nouveaux Rangers, donc pour elle, c'est génial. Mais notre nouvel allié a besoin d'un nom, donc il s'auto-proclame... Excusez-moi... Monsieur Fantastique, super canon aussi fort que l'acier. Rien que ça. Bon, évidemment, ça passe pas, donc en réalité, ils vont raccourcir ça en style, parce que oui, évidemment, en anglais, ça fait « Mr. Fantastic, Super Handsome, as strong as steel ». Me jugez pas. Donc, steel, style, on raccourcit en style, c'est bon. Donc, ce Beastbot, puisque c'est un Beastbot, hein, et donc, ça s'appelle donc steel. Je préfère être Jake quand même, hein, parce que là, ça fait « ferraille, ça va ?» Mais ça va beaucoup plus loin que ça en réalité, parce que Nate et Steel... Ferraille. Donc, Nate et Steel expliquent qu'en fait, ils ont un petit peu fusionné tous les deux. Voilà, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants en fait, l'ADN de Nate a fusionné avec les circuits du robot, qui a aussi fusionné avec l'ADN de Cafard. Donc est-ce que Steel est éventuellement un clone modifié de Nate? Ça fait donc de Steel un robot humain. Et Cafard aussi. Mais bon, le plus important, c'est que Nate le considère enfin comme son grand frère ou son petit frère. Hein. Enfin, il le considère comme son frère. Donc Nate est super content, en plus d'être un Power Ranger. Donc voilà, tout est bien qui finit bien pour Nate. Il est super content. Et à la fin, on voit que Scrozzle est en train de réparer le cyberportail. Et donc, il commissionne encore une fois Blaze et Roxy... d'aller chercher le corps, hein, tout simplement, des Vox, c'est-à-dire Steel. Donc, prochain épisode, sûrement, ils vont cibler, encore une fois, Steel. Est-ce qu'ils vont Steel Steel, verbe voler, Steel. Ils vont Steel. Bref, ils vont donc kidnapper Steel pour télécharger la conscience des Vox dedans, voilà. J'ai adoré cet épisode. Non seulement on a deux nouveaux Rangers, mais on a du développement de personnages pour Nate. Le duo comique est utile, encore une fois, aux surprises. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment devant cet épisode. Bon, maintenant que ça s'est dit, on va passer à la polémique scandaleuse qui fait rage depuis quelques heures. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est samedi après-midi. Hier soir... Vendredi soir, dans la nuit aussi, de vendredi à samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Blake Foster,
alias Justin Stewart, le Ranger bleu turbo d'il y a beaucoup d'années, a publié sur son Instagram un message scandaleux, mais vraiment absolument scandaleux, qui critique non seulement le personnage de Nate, mais aussi son acteur Abraham Rodriguez. Donc il dit que c'est scandaleux qu'un gamin comme ça, sans aucun charisme, puisse être un ranger doré, en expliquant bien doré, hein. Parce que pour lui, être un ranger doré, c'est être le leader, c'est être au-dessus de tous les autres, d'être plus fort, plus puissant que tous les autres. Ce qui n'est pas du tout vrai, hein, absolument pas. Être un ranger doré ne veut absolument pas dire tout ça, parfois oui, parfois non, hein. Dans certains cas oui, comme Magishine, Ranger Solaris Knight, oui c'est ça, de Power Ranger Mystic Force, oui c'est un ranger doré qui est supérieur à tous les autres, étant donné que c'est un maître de magie et que eux ne sont que des apprentis, mais parfois c'est pas du tout le cas. Mais ça s'arrête pas là, il a aussi critiqué le fait que la série récente, enfin les séries récentes sont de la merde comparé à la glorieuse époque de Zordon qu'il a vécu, oh. Voilà. En sachant que Power Ranger Turbo est l'une des saisons les plus détestées, hein. Globalement, mondialement, c'est l'une des saisons les plus détestées, hein. Je ne parle pas qu'en France ni aux États-Unis, je parle du monde entier. Turbo est l'une des saisons les plus détestées avec Megaforce et Super Megaforce. Comprenez ce que vous voulez. Voilà. Donc, Monsieur Blake Foster a eu l'audace d'insulter un jeune acteur alors qu'il a lui-même été un jeune acteur de Power Rangers. Si ça, c'est pas se foutre de la gueule du monde, je sais pas ce que c'est, mesdames et messieurs. Donc voilà, il s'est pris une tornade de merde dans la gueule, tout le monde lui a tourné le dos, les collègues de Abraham Rodriguez ont bien sûr pris sa défense, ils ont pourri Blake Foster, hein, bien sûr, évidemment. Beaucoup de fans américains, j'ai vu ça en train de Twitter et tout ça, beaucoup de fans américains lui ont chié dessus aussi. Donc voilà, superbe Blake Foster, superbe façon de flinguer ta carrière et de flinguer tes fans. Donc voilà, je ne pense pas qu'on le revoie de sitôt, ce Blake Foster, voilà. Parce qu'il a vraiment, vraiment déçu beaucoup de monde. Ciao! Voilà, donc je répète, j'ai adoré l'épisode, hein, j'ai très... Ah oui, alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un épisode la semaine prochaine? Parce qu'en général, c'est dans ces eaux-là qu'il faut une pause de je sais pas combien de mois, et je suis pas sûr qu'il y ait d'épisode de la semaine prochaine, donc... Au cas où, je vous dis à plus tard, dans le pire des cas, sinon dans le meilleur des cas, à la semaine prochaine. Ciao !